Bienvenue à vous, l'Allianz Arena de Munich. C'est grand, c'est récent, c'est totalement adapté au football et c'est, selon moi, le plus beau stade aujourd'hui dans le monde. Bonjour, Grégoire Margoton, heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous de football. J'ai en ma compagnie Darren Tulette et son regard décalé. Salut Darren. Et le plaisir est pour moi, Grégoire. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un plaisir d'être ici. Pogba. Bien joué ça. Il a essayé d'y aller seul mais sans réussite. Ça joue à la baballe tout ça, ça ne sert à rien, ça ne progresse pas, c'est inutile, c'est stérile. Ça, c'est une interception parfaite. La France qui a davantage le ballon, mais toujours pas de tir au compteur. La France qui, si j'ai bien noté, n'a pas encore cadré dans cette rencontre. Pogba. Cabaye. Debuchy. David Myler. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Matuidi. Mamadou Sakho. Evra. Cabaye. Pogba. Mark Wilson. Attention à cette passe lobée. Lang reçoit le ballon. Il récupère le ballon. Un but maintenant, ça serait pas mal. Pogba. Cabaye. Il y va seul. Et le ballon continue de lui coller au pied. Il voit sa passe interceptée. Je pense surtout que la passe n'était pas bonne, c'est aussi simple que ça. Mark Wilson. O'Shea. Coleman. C'est déjà la pause, j'ai pas vu le temps passer désormais. Les entraîneurs rentrent en action. Il faut vraiment avoir le moral pour jouer attaquant dans cette équipe. Pas une seule frappe dans les 45 premières minutes, c'est du jamais vu. Aucun but marqué, donc on en reste à 0-0. David Myler. Coleman. McGeady. Et ce ballon sur l'aile. Coleman, il est signalé hors jeu. Et aucune des deux équipes n'est encore parvenue à faire la différence. Wilkington. Ils font bien tourner, mais ça manque de verticalité. Plus le temps passe, plus l'ouverture du score pourrait être décisive. Ils n'ont pas encore fait un seul changement, c'est important. David Myler. Pogba. Debuchy. Lang. Il cherche un coéquipier dans la profondeur. Oh, ça peut faire mal.
Et maintenant Raphaël Varane. Valbuena. On arrive à la fin des 90 minutes. Ça pourrait se jouer sur cette action. Si le score en reste là, on se dirige tout droit vers une prolongation. Debuchy. Valbuena. Debuchy. Pogba. L'arbitre va siffler la fin du match dans 5 minutes et le score est toujours nul. C'est pas terminé. C'est bien joli tout ça, mais quel manque d'ambition. L'arbitre ne va pas tarder à siffler la fin du match. Allez, il reste 5 petites minutes maintenant. Et le danger est écarté. On est au bout du temps réglementaire. On se dirige tout droit vers la prolongation. Le 0-0 ne reflète pas la qualité de ce match, c'est vrai. Les défenseurs ont pris le dessus sur les attaquants, mais ont quand même assisté à de belles séquences. C'est donc sur un score nul que l'arbitre siffle la fin des 90 minutes. On est parti pour la prolongation. Debuchy. Pogba. Matuidi. Ribéry. La défense l'a très bien muselé sans lui laisser l'espace pour se retourner. C'est reparti, ils peuvent contrer. L'arbitre signale une faute. Le centre est parti. Et il est là pour dégager. La reprise, et la puissance y était, mais pas la précision. Et c'est compliqué de trouver le bon appui, d'apporter de la puissance, trouver le cadre. C'est très, très compliqué. Ribéry. Pogba. Ribéry. Cabaye. Pogba. Debuchy. Ribéry. Pour trouver la faille dans la défense. Oh là, c'est chaud, quel tacle. Oh, la grosse occasion. On est à la moitié de cette prolongation. Et la fatigue risque de jouer un rôle maintenant. Ça va amener forcément des erreurs techniques et tactiques. C'est la dernière chance maintenant. Et regardez, la plupart des joueurs sont déjà complètement carbonisés. Et on attend toujours un vainqueur dans cette rencontre. 15 minutes encore. Et pourtant, c'était un caviar au départ. Ils ont bien exploité l'espace derrière la défense avec cette balle piquée. Ils ont manqué de chance sur le dernier geste. Matuidi. Robbie Keane. Kevin Doyle. David Myler. McGeady. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Cabaye. Quel match et personne n'a réussi à prendre l'avantage. Place au tir au but maintenant. Ce n'est vraiment pas un grand jour pour les buteurs, incapables de trouver le chemin défilé en 120 minutes. Espérons juste qu'il leur restera un petit peu de confiance pour cette série de tirs au but. C'est la fin de la prolongation, il nous faut un vainqueur. Séance de tir au but maintenant. Oh, raté, ça commence mal. Ah, qu'il est mal frappé ce penalty. Son tir est beaucoup trop enlevé. Oui, il a bien tiré. C'est un penalty superbement placé. Il a pris le gardien à contre-pied. Ça paraît simple comme ça, mais pour frapper un penalty de la sorte, il faut un moral d'acier. Au trou !
Oh là là, mais c'est mal frappé. La position du corps n'est pas bonne. Il a voulu frapper trop fort. Le gardien est parti du mauvais côté. Et bravo, c'est le pénalty parfait. Joli contre-pied. Il a choisi de frapper à droite. Quel calme, quelle sérénité. Il est incroyable, il ne laisse aucune chance au gardien. Sur la droite. Il a vraiment eu les nerfs solides, ce n'était pas facile de le mettre. Aussi simple que précis, le gardien n'a eu aucune chance sur ce coup-là. Regardez la facilité, c'est tout easy pour lui. Il se permet même de chambrer un petit peu le gardien. S'il rate sa frappe, c'est terminé. Et une frappe qui décide du résultat de la rencontre. Quelle lutte serrée jusqu'au bout et ce suspense incroyable de la séance d'été.